pas de légende là, non. Juste pour voir. Attends. Alors, le bataillon a été déployé à la fin du mois de février suite à l'attaque de l'armée russe en Ukraine pour protéger les frontières de l'OTAN. Et surtout, c'est surtout dans les premières semaines d'un déploiement que c'était un moment historique, ou en tout cas très important. Et on sent aussi la responsabilité qu'on a en tant que leader, chef de ce bataillon. La responsabilité qu'on a de démontrer nos capacités, d'être prêt, d'être oui, totalement prêt avec nos alliés pour remplir la mission qui nous est donnée. Une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que on est au final très proches, que ce soit des Polonais ou des Roumains, même si on a des cultures qui peuvent être différentes, on a les mêmes références. Donc c'est en fait assez facile de s'intégrer et de devenir camarades. Et on apprend des différents armements, des différentes procédures qui peuvent varier d'un pays à l'autre, mais c'est au final assez facile de s'intégrer les uns avec les autres et de travailler ensemble. Oczywiście ta sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, dla nas jako polskich żołnierzy jest szczególnie dotkliwa, ponieważ zarówno nasza pomoc dla uchodźców, jak i nasza militarna obecność w działaniach NATO jest dość istotna i wydaje mi się też zauważalna przez naszych sojuszników. Jeżeli chodzi o nasze odczucia, to po prostu jesteśmy gotowi do działania. Obserwujemy, co się dzieje, czekamy na rozkazy. Jesteśmy tu od dłuższego czasu, jesteśmy dobrze wytrenowani, dobrze przygotowani na wszelkie ewentualności, tak naprawdę, które miałyby miejsce w każdej chwili.